Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la ville d'Amos et également des nouvelles de la conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue, puisque mon invité occupe deux chaises, soit celle de maire de la ville d'Amos et également président de la CREAT, M. Ulrich Chérubin. M. Chérubin, mes hommages. Merci beaucoup de votre invitation, M. Dabi. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M. Chérubin, parce que j'aime parler de ce beau coin de l'Abitibi-Est qui est Amos. Amos est une belle ville. Amos est une belle ville. Et vous avez un joyau, pas plusieurs joyaux, mais vous avez un joyau que j'espère, et on se croise les doigts, qui ne sera jamais détruit, c'est la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Je pense que les citoyens et citoyennes de la ville d'Amos font un bel effort pour garder leur cathédrale. Oui, vous savez, ça a été rénové il n'y a pas longtemps, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça. C'est un joyau à préserver, parce que, comme je dis souvent, les bâtisseurs de ce coin de pays, c'était pas des millionnaires, non, absolument c'est, pas. C'est des gens qui ont travaillé très dur pour se doter de cet édifice, c'est des gens fiers, et on voit là-dedans la fierté et des gens d'Amos. Et c'est toute une fierté, il faut la préserver, oui. Il faut préserver et ce site patrimonial, cette cathédrale dont nous sommes tous fiers. Exactement, et je dis... Et vous dites que dont nous sommes tous fiers, oui, Amos est fier de ça, mais je crois que le diocèse complet est fier de cette cathédrale-là. Et j'ose même dire, l'Abitibi-Témiscamingue est fier parce qu'on désigne quasiment et la ville d'Amos par sa cathédrale. Oui, ça, c'est la ville qui a une belle cathédrale, Sainte-Thérèse-d'Avila. Oui, avec un dôme. Ah ouais, donc oui, alors, donc, vous voyez, donc alors c'est un plus pour les touristes et pour oui, nous. Et pour la ville également. Monsieur Chérubin, je ne peux vraiment pas m'abstenir d'en parler parce que c'est un projet de plusieurs millions. Et j'ai dit que tant que la première pelletée de terre ne sera pas faite. J'allais vous en parler et vous me voyez venir très bien. Moi, j'aimerais savoir, pour le bénéfice de la population, le dossier de la prison d'Amos s'est rendu où, M. Chérubin? Ce matin, tout à l'heure, quand je suis passé, j'ai vu la grosse pancarte 111 millions. Et voilà. Et cette fois-ci, Gabi, même si je vous ai toujours dit que je suis d'un optimisme modéré, mon optimisme bientôt, j'espère, sera débordant, parce que ça va être la réalité. Et au moment où on se parle, le projet chemine assez bien. D'après les dernières informations que j'ai, c'est des plans d'ingénieurs et d'architectes, et j'espère que au printemps, pas les premiers jours du printemps, parce qu'on est déjà dans les premiers jours du printemps, mais étant donné que c'est un printemps qui est arrivé, mais la neige, le dégel est encore là. Oui, exactement. Donc alors, j'espère que très bientôt, on va être capable de faire une première pelletée de terre. Donc alors, les gens, ils parlent avec la ville de leurs besoins en eau, parce que nous avons, passez-moi l'expression, upgradé le système aqueduc pour permettre à la prison de... pas à la prison, pour permettre à l'établissement et aux gens de s'approvisionner en eau et, si possible, d'avoir une réserve d'eau. Parce que ils disent que si on a besoin d'éteindre, s'il y a un feu, on a besoin d'éteindre le feu, ça nous prend beaucoup d'eau. Exactement, donc alors, on est en train de regarder ça avec eux autres, à tel point que j'ai dit à la blague, ben pourquoi de l'eau? Une prison, c'est supposé être à l'épreuve du feu, les cellules, ça va être en béton armé, mais on sait jamais, il faut prendre toutes ces précautions. Exactement. Donc alors, le dossier progresse.
progresse à, et puis, à l'allure normale. Normale, on peut dire, c'est tu ça, vois. Okay. Donc, alors, le dossier suit son cours. Et puis, même moi qui suis d'un optimisme modéré, je commence à être peut-être pas mon optimisme. Vous commencez à vouloir tasser le mot modéré. Modéré, ouais, okay, pour dire que je suis optimiste. Bon, parfait, monsieur Chérubin. J'avais mis une question un peu plus loin dans l'émission, mais je vais y venir tout de suite parce qu'elle est très importante pour la communauté amossoise. Le projet aéroport, c'est un peu, quand on regarde ça, puis qu'on regarde le cheminement de celui de Lasar versus celui d'Amos, le jet ambulance non plus n'entre plus à Amos, si ma mémoire est fidèle, monsieur le maire, ou oui, si elle rentre encore. Encore, mais la piste l'avion n'est pas ambulance, bonne. Mais normalement, surtout l'été, oui, et la piste mérite d'être refaite parce que c'est pas une piste qui est dans un état normal. Donc, alors, il y a certains pilotes qui nous ont fait part de cet état de la piste, okay, là, tout okay, ça. Moi, c'est un dossier, je dois vous le dire, Gabi, qui m'énerve beaucoup. Parce que c'est un dossier depuis l'année dernière qu'on a déposé et on pensait que ça passerait comme une lettre à la poste parce que nous autres, on était prêts. On l'a mis dans Infrastructure Canada-Québec, un tiers, un tiers. Donc, quand on a vu que ça a été refusé, à la demande du ministre régional, on l'a changé de place, on l'a mis dans Québec municipalité 50-50. C'est un projet de 3,5 millions. Donc, on s'est dit, bon, ça va nous coûter plus cher, mais on va y aller parce qu'on y croit. Mais au moment où je vous parle, malgré toutes les pressions, malgré toutes les lettres échangées, tout ça, on n'a pas reçu encore de réponse, on n'a pas reçu un oui ferme. Le budget vient d'être déposé, donc on espère, parce que au bureau de M. Lessard, il me disait toujours, on n'a pas de disponibilité budgétaire. Mais là, maintenant, on n'a pas de disponibilité budgétaire. Maintenant, le budget vient d'être déposé et j'ai demandé de rencontrer M. Lessard. J'espère que je vais le rencontrer bientôt pour lui parler du dossier, parce que je pense que c'est un petit dossier qui pourrait être réglé très vite. Oui, oui. Mais que vous auriez dû appeler M. le maire de la Sarre, M. Hood, qui vous aurait dit que bien, nous autres, ça nous a pris 5 à 7 ans avant de réussir à faire refaire notre piste d'aéroport. Je ne vous souhaite pas la même chose là, à Amos, sauf que moi non plus, j'ai un peu de difficulté avec ça. Ce n'est quand même pas 35 millions, là, c'est 3,5 millions. Mais sur les 3,5, un élément essentiel. Sur les 3,5 millions, on est prêt à mettre 1,7 millions. Bon, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est 1,7 millions. Je pense que les citoyens d'Amos, et là, d'ailleurs, l'hôpital d'Amos, c'est un hôpital où il y a des traumatologies, des choses urgentes qui arrivent, et puis des fois, normalement, il faut envoyer ces gens-là à l'extérieur. Donc, on ne peut pas se passer de ça. J'ai dit à M. Lessard, c'est une urgence nationale. Mais lui, il ne le voit pas comme ça. Est-ce que le député François Gendron est sensibilisé à ça? Non, François est au courant. François est au courant. Oui, au courant, mais est-ce qu'il est sensibilisé en ce sens qu'il travaille lui aussi sur le dossier? Ben, j'espère qu'il travaille sur le dossier. Là, il a même fait des déclarations dans les journaux, à la télévision, pour dire qu'il est à côté, il est avec la ville d'Amos pour la réalisation de ce dossier-là. Okay. Et puis on ne lâche pas et puis on continue à travailler là-dessus. Monsieur Chérubin, Amos libère 172 000 $ pour la revitalisation de son centre-ville. On parle des commerçants. Est-ce que les commerçants sont d'accord? C'est quoi exactement? Bon, depuis quelques années, on veut
redynamiser le centre-ville. Et puis surtout pour le centenaire, on dit, bon, ce serait le fun si on pouvait refaire les façades. Donc nous autres, on a mis 100 000 piastres par année et pendant 5 ans, ben 3 ans je pense. Et puis à chaque année, donc si par exemple il n'y a pas et tout le 100 000 n'a pas été utilisé, donc on l'envoie, c'est pour ça on a 172 000, c'est-à-dire le 72 000 de l'année dernière plus le 100 000 de plus cette année, okay. C'est ça fait 172 000 pour permettre aux gens de rentrer dans le programme, c'est-à-dire si vous renouvelez votre façade, donc alors vous avez un certain montant qui va vous permettre de faire certains travaux, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas à foule et ça nous désole parce que ça veut dire que les commerçants n'auraient pas tellement embarqué dans ce projet. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Ben, je sais pas. Et vous savez, aujourd'hui, la construction coûte cher. Oui, peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Ce sont des investissements. Ouais, l'incitatif n'est pas assez grand. Je ne sais pas. Il va falloir que on regarde ça de plus près. Mais l'intention, c'est de dynamiser notre centre-ville et pour le centième qui arrive, inciter les gens à refaire certaines façades de leur commerce pour donner un nouveau look, okay, comme on dit en bon français, afin de permettre à des visiteurs de voir que Amos a changé, tel magasin a changé de look, et puis ainsi de suite. Donc, alors, c'est ce qu'on veut. Monsieur Chérubin, un autre dossier qui est quand même de grande importance aussi à Amos, c'est l'agrandissement de l'aréna. L'agrandissement, puis une refaire, autrement dit, donner une allure plus peut-être sécuritaire et plus jeune à l'aréna. C'est un projet de 13,7 millions. Le dossier, est-ce que le dossier chemine? Est-ce que c'est une chose que l'on pourrait voir très bientôt? Le dossier du complexe sportif d'Amos avec l'aéroport, c'est deux dossiers majeurs pour la ville d'Amos que je pilote et même les conseillers s'en mêlent aussi parce que la volonté du conseil municipal, c'est de régler ces deux dossiers-là et moi aussi. Je ne dis pas que je vendrais mon âme au diable pour régler ces dossiers-là, mais c'est deux dossiers qui me tiennent à cœur et qui me fatiguent parce que je n'ai pas vu la volonté des gouvernements de nous donner un coup de pouce pour régler ces dossiers-là. Je ne sais pas encore à quel saint me vouer. J'ai même allumé des lampions à la cathédrale et même à l'oratoire Saint-Joseph pour que miracle se fasse. Les miracles ne semblent pas venir. Miracle ne s'est pas fait encore. Le dossier de l'aréna, c'est que nous avons la première glace qui nous donne des problèmes parce qu'il y a un problème de perte de saumure. Oui, exactement. Ça coûte cher. Oui, okay. Et puis nous avons la deuxième glace qui n'est pas du tout réglementaire. Et c'est tout ça qu'on aimerait corriger. Et puis, chaque fois que je regarde le plan, les devis et de ce complexe sportif, je me mets à rêver parce que je me suis dit, on aurait un complexe sportif qui ferait la fierté des Amossois et des Amossoises et qui serait très opérationnel aussi. Parce que nous savons tous que le centenaire arrive, eh bien, il faut quand même qu'on ait des infrastructures au moins
une infrastructure qu'on pourrait dire qualifiée infrastructure du centenaire. Et pourquoi pas le complexe sportif. Mais c'est comme l'aéroport, le gouvernement ne s'empresse pas de répondre à notre demande. Et ça aussi, Il y aurait c'est peut-être, je fatigant. ne veux pas être méchant, mais peut-être que s'il y en avait juste un petit peu moins mis sur le futur colisée, le gouvernement pourrait vous aider dans le projet C'est toi qui le dis d'agrandissement. Hein? Alors, c'est moi qui le dis parce que et moi, je suis contre ça, je qu'est-ce ne qui peux peut avoir. faire Mais moi, je peux le faire. qu'autrement que Moi. d'abonder dans votre C'est sens ça. et ça nous fait voir ça comme une injustice. On sait que le gouvernement est un gouvernement cassé, on se le dit, Oui. mais je me suis dit, pas si Classique, quand cassé c'est que le temps, ça, oui. parce qu'il semble avoir pour les autres et rien pour nous, et ça, je considère ça comme une injustice, et puis moi, l'injustice m'a toujours dérangé. Monsieur Chérubin, Amos propose des crédits de taxes sur la construction résidentielle, entre autres. Oui, parce que le taux d'inoccupation à Amos est très très faible, ça aussi autour de 0, 0,3%. Et les résidences sont dans un état pas mal délabré, certains loyers. Depuis 1999, il n'y a pas eu construction de nouveaux loyers Okay. à Amos. Donc alors, on s'est dit, il faudrait peut-être donner un coup de main aux promoteurs, aux hommes d'affaires pour les aider à construire des logements. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec un programme de crédit de taxes de 5 ans sur les taxes foncières pour les immeubles de 4 à 39 logements OK. et pour les immeubles résidentiels de 1 à 3 logements, 100 000 dollars, 100% la première année, 80 dégressifs, 80 OK. la deuxième, 60 Et on troisième descend. et on descend pour les immeubles résidentiels et sur les terrains aussi, parce que on veut augmenter notre population, on veut garder notre monde et on veut attirer aussi OK. d'autres gens dans Est-ce notre belle que ville. un pareil crédit de taxe pourrait sensiblement atténuer la crise du logement qui est à Amos, mais qui est partout en Abitibi-Témiscamingue, la crise du logement, là, il n'y en a plus de logement, ou à peu près. Bon, moi je pense qu'on est confiant et on espère que cet incitatif va encourager les gens à construire. On ne se leurre pas, on sait que les constructions coûtent très cher aujourd'hui et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup C'est de ça. promoteurs qui Avec s'engagent certains là-dedans. crédits comme ça pourrait Mais avec inciter ce les qu'on vient promoteurs. de faire, on espère que ça peut OK. inciter les gens d'affaires à bâtir Des unités à des logement, à unités ce à moment-là. logement en général. Centenaire d'Amos, il y a déjà un comité qui est en place, monsieur le maire. C'est pour quand, le centenaire Le d'Amos? centenaire, c'est pour 2014. 2014. Ça s'en vient? Pendant, OK. oui, Oui. pendant toute l'année, eh bien, il va y avoir des activités, les unes plus intéressantes que les autres, on espère, parce que c'est le premier centenaire en C'est Abitibi. Au ça. Témiscamingue, c'est déjà fait, mais en Abitibi, c'est la première ville centenaire, et puis on veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Monsieur Chérubin, on sait que Amos et Rouyn-Noranda vont accueillir pour les 4 prochaines années l'édition du Tour de l'Abitibi. Est-ce qu'on peut dire que Rouyn et Amos ont sauvé le Tour de l'Abitibi? Et je ne veux pas rentrer là, en conflit avec Val-d'Or. Je ne veux même pas en parler du tout. Val-d'Or a donné sa position. Amos a donné la sienne. Et Rouyn-Noranda a donné la sienne aussi. Est-ce qu'on peut dire que Rouyn-Noranda et Amos ont véritablement sauvé le Tour de l'Abitibi? Bon, sauver, j'aime pas le mot sauver parce que je veux pas qu'on passe pour des sauveurs. Les sauveurs, vous savez, hein,
La plupart des fois, on les crucifie aussi. J'aimerais mieux qu'on dise ceux qui ont essayé d'assurer la pérennité de cet événement. Donc, on pense que c'est un événement de 42 ans, c'est le 42e anniversaire. Donc, après 40 ans, un événement comme ça, eh bien, on ne devrait pas le laisser aller, on C'est devrait ça. faire un dernier effort. Donc, alors, la ville de Rouen et Damas pensent que on devrait faire un effort, un dernier effort, au moins pendant les 4 prochaines années, pour assurer la pérennité du Tour de l'Abitibi. Après 4 ans, est-ce qu'il y a d'autres villes? On espère. D'autres villes se joindront à nous pour assurer la pérennité et totale, je Total. dirais, du Tour. Monsieur Chérubin, il y a encore beaucoup d'autres sujets, mais seulement que j'aimerais, par exemple, parce qu'il reste quand même juste 7-8 minutes à l'émission, Ça passe j'aimerais, vite, ça hein? passe très vite, j'aimerais que l'on parle de la CREAT. La CREAT, c'est la Conférence régionale des élus en Abitibi-Témiscamingue, dont vous êtes le président. La CREAT a émis des commentaires concernant la fermeture de Tembec Tacho. Qu'est-ce que vous en pensez? Suzanne Abitibi-Ouest. Donc alors, c'est un sujet délicat. Bon, écoutez, Gabi, il n'y a personne qui souhaite des fermetures d'usines. Et moi, personnellement, j'ai déjà vu des fermetures d'usines dans mon coin de pays. Pour la MRC d'Abitibi, la fermeture de l'usine de Champneuf, la fermeture de l'usine de Launay. Et j'étais préfet, donc alors j'ai vécu ça très durement. Mais on sait que c'est des entreprises privées, ils nous disent ce sont des décisions d'affaires contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Je sympathise beaucoup avec les gens de Taschereau, le maire et tous les citoyens de Taschereau, et en particulier les travailleurs et tous ceux qui ont perdu leur emploi, ma pensée va vers eux. Ceci dit, la conférence régionale des élus a rencontré Tembec 2 fois plutôt qu'une pour que Tembec vienne nous expliquer sa décision. Et on a pris acte de la fermeture, mais Tembec nous a demandé d'appuyer son plan de restructuration qu'il nous a proposé. Vous savez, un plan n'est pas parfait. C'est à la communauté, je pense, de faire en sorte d'avoir le plus de choses possible. Et je profite pour dire au maire de Taschereau, à la communauté de Taschereau, c'est le temps de négocier fermement avec Tembec certaines choses, parce que Tembec sait très bien que Taschereau, c'est une ville mono-industrielle. C'est cette usine-là. Et il ne faut pas que Tembec, après avoir fait des belles affaires, il ne faut pas que Tembec laisse sur le chaos, laisser pour compte la population de Taschereau. Et c'est pour ça qu'on a appuyé le plan de relance qui vient consolider l'usine de la SAR, qui vient consolider les emplois et qui permet à la coopérative forestière du Nord-Ouest, CFNO, qui fait des affaires pour Tembec, eh bien, de pouvoir se relancer. Parce que si Tembec fait des affaires en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue, le CFNO aussi va faire des belles affaires en forêt. Ainsi va Tembec, ainsi va CFNO. Donc alors, c'est pour ça on a décidé d'appuyer le plan de restructuration. Quant au transfert du CAF, ça c'est un autre problème. Parce que ce n'est pas nous autres, Non, c'est à la c'est ministre, la excuse-moi, c'est ministre ça. qui prend sa décision. C'est Exactement. sûr que nous avons recommandé
que le CAF reste une partie à la SAR et une partie à BEAM pour aller donner un coup de main au Témiscamingue qui, comme tu le sais, vit des moments difficiles. Et c'est ce que nous appelons la justice distributive. Quand tu es un organisme régional, il faut que tu regardes toute la Regardez, région. Regardez, M. Rubé, je ne veux pas partir une polémique entre la MRC d'Abitibi-Ouest et la CREAT, mais ici, sur un fil de presse qui date du 16 de mars, la municipalité régionale d'Abitibi-Ouest se dissocie de la position de la conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue au sujet du plan de restructuration de Tembec dans la région. Les élus de la MRC d'Abitibi-Ouest reprochent à la CREAT de prendre position trop rapidement sans consulter les milieux concernés. Ça sort de la bouche du préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, ouais, M. Rancourt. Écoute, je respecte la position des gens d'Abitibi-Ouest et du préfet, M. Rancourt, que je salue. Daniel, c'est un gars que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Il peut vous le dire. J'ai jamais eu de prise de bec ni de maille à partir avec Daniel. C'est un gars que je respecte. C'est son point de vue. Mais, monsieur le préfet sait très bien pourquoi la CRI s'est dépêchée d'appuyer le plan de restructuration. Parce que vous savez que quand un CAF est libéré, tout le monde a les yeux sur le CAF. C'est sûr, oui. Et je peux vous parler en connaissance de cause, parce que j'ai rencontré du monde qui est venu, donc alors, pour dire est-ce qu'on peut avoir une partie de ce CAF-là. Donc alors, nous autres, on a appuyé justement pour que le CAF, trois quarts du CAF, 77%, reste en Abitibi-Ouest. Alors, c'est celui qui s'en irait à la SAR. Oui, à la SAR. Et le restant 23% qui n'est même pas sur le territoire d'Abitibi-Ouest, qui est sur le territoire de Rouyn-Noranda, qui est plus proche de Béarn, va à Béarn pour aider le Témiscamingue. C'est une espèce de consolidation d'emploi. C'est une espèce de consolidation. L'usine de la SAR va fonctionner sur trois chiffres, sur trois quarts de travail. Et ça va rouler à plein rendement. Et je pense que tout le monde le sait, mieux vaut avoir une usine qui roule au 3 quarts, au 4 quarts, plutôt que d'avoir deux usines, Cayenne, ensemble. Ceci dit, alors, moi je ne veux pas trop me mêler dans le débat. Je respecte la position des gens d'Abitibi-Ouest, mais je pense que l'avenir se chargera de donner raison à la CRE si Tembec, bien sûr, respecte son plan de restructuration et la conférence régionale des élus va être là, va avoir Tembec à l'œil pour qu'il fasse ce qu'il dit qu'il va faire. Il reste à peine 2 minutes, M. Chérubin. Le plan Nord, c'est essentiel à la région. Il faut que la région doit être incluse dans le plan Nord, le fameux plan Nord du gouvernement libéral? Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous reprochent de n'être pas assis à la table. Sont à la table ceux qui font partie du 49e parallèle. Parce que le plan Nord, c'est 49e parallèle. Si tu fais partie du 49e ou bien tu es au nord du 49e, le gouvernement te considère comme un partenaire privilégié. Mais nous autres, nous ne faisons pas partie du 49e. On est au bas du 49e, mais par contre, on a toujours fait des belles faire avec les gens du 49e, il faut se positionner pour que les retombées économiques du plan Nord viennent chez nous. Donc alors c'est ce que je dis, dans la mise en œuvre du plan Nord, on doit être là parce qu'on a des biens et services à donner au Nord. Et on a toujours fait des bonnes affaires avec le Nord et les gens du Nord, ils le savent. Donc alors moi j'ai dit arrêtons de nous énerver avec le plan Nord.
Préparons-nous. Mais on le surveille. Oui, on exactement. Le surveille Surveillons le plan Nord. Monsieur Chérubin, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. C'était très intéressant. Puis je vous souhaite très, très bon été. Puis je vous souhaite de très bonnes fêtes H2O, qui est 5 jours cette année pour les 5 ans. On a été supposé d'en parler, mais on n'a pas eu le temps. Le temps nous manque et je vous remercie. Et moi, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Ah, ben je vous remercie beaucoup, monsieur. Parce que monsieur la prochaine fête, c'est Pâques. Et avant voilà. avant H2O, vous avez entièrement raison. Monsieur Chérubin, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Bonsoir et bonne semaine.